La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21, +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Et le rang, c'est quoi? Je suis qui? Je ne sais pas. Mana conséquence. Tu m'as demandé d'avertir les Okono. Ah. Mes chers bacheliers, alignez-vous comme de coutume. Tous ceux qui ont eu le bac cette année, venez ici. Tous ceux-là qui ont eu le bac cette année. Pardon, finis avec mon collègue. Ok, hein? Les bacheliers, mettez-vous là. Je vais demander une seule chose au gars. Qu'il soit vrai. J'ai dit que quoi? Qu'il soit vrai. Oui, tu commences avec ça. Ça ne sert à rien de faire apparence. Tu te connais. Le type là te connaît. Même si ton entourage ne te connaît pas. Tu comprends ce que Sancré dit? Je comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Tu veux seulement que je te dise. Moi, ce n'est aucun problème. Moi, je peux te déballer. Je n'ai aucun problème. J'ai dit que il faut être vrai dans ton cœur. Tu comprends? Tu comprends? Parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle être vrai dans son cœur? Okay. Et tu connais? Je suis qui d'abord? Limitation, stagnation. La stagnation. Sécheresse. Parce que moi, je suis dans ta vie. Nous sommes dans ta vie et on fait le travail. Tous ceux qui t'entourent subissent le même sort que toi. Vous allez me dire ici là. Ce que vous avez commencé à lancer comme projet là, vous allez voir comment ça va encore sécher seul. Tu n'exagères pas. Hein. Je vais voir là, ça va aller. C'est là que vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Projet de quoi? Là. Tu me demandes. Je suis seulement dans sa vie, point. Il faut être vrai. Ça ne sert à rien de faire l'apparence devant les gens. Passe. Passe. C'est comme ça que vous soucriez sous la tête. Après, on se reverra. La merci, moi je ne la comprends pas du tout. C'est qu'elle n'est plus à ce niveau. Eh. Les gens qui aiment souvent qu'on ait pitié de là. Tu connais ton thermomètre, non? On n'est même pas obligé de te lever. On lui a déjà dit ça plusieurs Toi-même, fois. Toi-même, elle sait, elle est consciente que quand ça fait déjà un jas sur sa peau là, elle sait que ça cause de telles choses. Tu veux que les choses changent, non? Mais avec l'état de ton cœur, ça ne va jamais changer. Tu sais ça, non? Change dans l'état de ton cœur. Parce que à cause de toi, tu freines les activités de ton mari. Tu sais ça, non? Passe! La merci! La merci! Tu es déjà devenu riche? Hein? Tous ceux qui t'entourent sont riches. Non. Continue à chercher la richesse. Ne te focalise pas sur ce type-là. Voilà les gens qui nous éparpillent partout, partout. Toute sa suite, je dis bien, toute sa suite. Parle seulement, ne leur pose pas de questions, parle seulement. Je me rends compte qu'elles posent mes questions, là, elles me prennent comme un menteur. Parle seulement. Moi, je n'ai que fou, je m'en fous. Parce que déjà, on sait qui tu es. Et ce que tu as appelé, c'est les gens dans les villes desquelles tu travailles. En tant que stagnation. Non seulement je Tu les affectes et tu affectes ce qui les entoure. Passe. Toi,
celui-ci est. Et son problème n'est pas comme tout le reste. Pardon, ferme ta bouche. Tu te connais, non? Très bien. Donc, pardon. Ne me parle plus par ta bouche. Ferme ta bouche. Passe. Toi, on t'a dit, ça me dépasse. Passe. C'est fini? Oui. Pas la peine de ramasser beaucoup de gens. Il y a tellement de personnes. Stagnation. On va dormir ici. Et te coupe la tête au nom de Jésus. Ici, c'est qui? Ici, qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Toutes ces choses, non. Qui t'a donné la chaise? Hein? Tu j'ai trouvé mes collègues assis. Tu n'es pas le bienvenu ici, là. Allez, à terre. Allez. Tu déranges la vie des gens. J'ai fait quoi à quelqu'un? J'ai appelé quelqu'un chez moi. C'est eux, ce n'est pas eux qui me dérangent. Ferme. Initiateur. Toi, tu n'as pas de place là maintenant là. Tu vas revenir dimanche. J'ai déjà renvoyé ton cas pour dimanche. Hein? Tu viens dimanche. Après même on va se voir. Tu comprends non? Va t'asseoir. Je te coupe la tête, initiateur. Où est l'autre là? Ouais. Viens, viens là. Hey. Ah, tu dis, tu as eu le bac, hein? Tu as eu le bac. Tu vois que. Viens, hein? Congratulations. Hein? Thank you. C'est que ta promesse. Hein? Hein? La promesse. Quand tu as entendu ton nom, tu as pensé à la promesse? Ça n'est pas entendu. Qui t'a dit? Mon camarade m'a appelé. Comme ça? Donc, ok. Hein? Conséquence, viens d'avoir fini avec les nouveaux bachelets là. Regardez l'assemblée. Ici, viens, on finit avec. C'est qui encore là? Je fais la résistance. Qui es-tu? Hein? C'est moi. Toi qui? Initiateur. Quoi? Quoi? Tu es qui? Je suis l'initiateur. Tu n'es plus autorisé sur la scène. Ta tête est déjà coupée. Allez, disparaît! Voilà les nouveaux bacheliers. Il y a certains qui sont absents aujourd'hui. Peut-être. On commence par le commencement. Avancez-vous. Ah. Tu vois l'enfant sinon. Présente-toi d'abord qui tu es. Je suis les conséquences. Conséquences de quoi? Des avertissements, des interpellations qu'on n'a pas pris en compte.
qu'on a bafoué des désobéissances et des rébellions aux instructions données ici. Ici, dedans. Ici, au tabernacle. Oui. Je peux commencer. Commence. Tu vois l'enfant, sinon. L'heure est arrivée. L'heure est déjà là. Là où les vrais adorateurs sauront qu'elle est quelqu'un. Adorateurs? Les vrais gens du monde. Ou pour couper court, les gens sauront qu'elle est quelqu'un. Quel est quelqu'un? Oui. Qu'elle est arrivée. Parce qu'elle a eu le bac. Et te dit. Le collège là, le lycée là, trop menacé. Donc elle est arrivée. La petite piété, pudeur des apparences qu'elle faisait là. Elle a déjà enlevé la robe là. La tenue du lycée. Vous allez découvrir alors la nouvelle qui est Brenda. On se voit dans 3 mois. Ça ne va même pas tenir le lait. Tu sais que ton bac a été reporté pour cette année. Pour que tu puisses te mettre à niveau, non, spirituellement parlant. Oui, pasteur, je suis conscient de cela. Et regarde encore ce que les conséquences te disent. On te donne seulement 3 mois. C'était le feu de paille. Elle s'est arrangée pour le bac, non? Non. Hein? Il fallait bien faire les choses pour avoir le bac. C'était le feu de paille. Maintenant, non, on saura. Les vrais gens, les vrais adorateurs sauront. Quel est quelqu'un? Quel est quelqu'un? Quel est Brenda? En personne. Hein? Oui, oui, oui. C'est ça? C'est ça que tu vas faire? Parce que moi, Brenda. Je ne souhaite pas, non. Je ne veux pas. Hein? Non. Non, sa tête, non. Hein? Il y a déjà le dressing. Elle a déjà aligné les coiffures. Dans la tête. On va boucher. Le type là va fermer toutes les portes par lesquelles tu peux avoir 5 francs. Tu dis amen. On saura. Et te dis la vérité, c'est 100 piments au cube. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Ne nous perds pas le temps, hein? Ne nous perds pas le temps, pardon. Il y a beaucoup de gens sur mon rang. Il y a déjà le rang. Elle connaît même déjà qu'elle va porter le pantalon noir slim qu'elle n'a pas encore. Avec un tricot rose qui part de ce côté pour qu'elle soit sapée, stylée, machin. C'est pour elle là-bas. On te donne 3 mois. Tu vas comprendre que c'est maintenant. Le dehors n'est pas facile. C'était Hadji. Passe. L'ange Gabriel, ici là. Pourquoi vous riez? C'est la même chose. Vous saurez maintenant qui était l'ange, qui n'était pas l'ange. Ça va quitter au niveau de la tête maintenant, ça sera physiquement. Dès que les petits garçons vont venir dire, tu es belle. À la fac, toutes les filles sont belles. Du moment où on prend ce qu'on veut, aucune fille n'est laide. Tu comprends? Oui. Ok, tu as averti. Rien à signaler. Pardon, d'abord que même avec la tenue, ce n'était pas facile. Maintenant, alors, ça, hors tenue, ça sera comment? Tu n'as même pas à toi l'erreur. Tu arrêtes tes choses, là, tes numéros de machin, tout ça, là, toi-même, tu sais. Je ne veux même pas entrer dans les détails de vos vies. Le dehors n'est pas facile. Tu as compris. J'espère que les conséquences des autres peuvent vous servir de leçon. L'ange Gabriel.
Le vrai toi est en train de sortir. Ça même a commencé. On a même changé la manière de parler. La mère ne doit plus parler n'importe comment. Elle a quand même le bac. Même si c'est ton petit frère scolairement parlant, il reste ton grand frère. Tu comprends? Je comprends. Même s'il est dans quelle classe, c'est ton grand frère. Et je pense qu'on vous apprend le respect dans votre église aussi. On se revoit dans 3 mois. L'étoile du matin. La rosée de la nuit. Et je ne lui donne pas 3 mois. Non. Je lui donne. Votre rentrée, c'est quand? Il paraît que la rentrée universitaire, c'est en octobre. En octobre, ok. La 3e semaine, après la rentrée. Elle ne va même pas savoir comment ça s'est passé. Tu as compris? Parce que elle part avec le Duja, elle va jouer tout intellectuellement parlant du Duja. Elle a fait ses programmations, les choses qui sont arrivées aux autres ne vont pas arriver. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais pas parler. Ce sont tes esprits familiers qui vont venir te rattraper là-bas. Si tu ne comprends pas que c'est du chin 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 que tu as besoin. Ce n'est pas tes garde-fous personnels. Parce qu'elle a la place. Elle est différente des autres qui miroitaient le monde et tout cela, non. Elle est la seule qui a quand même prise conscience que non, je ne dois pas m'amuser, mais c'est avec la chair, c'est avec le cerveau. On se comprend bien. Elle a signalé pour l'instant ne pas seulement te mélanger aux voyous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Complète ma phrase. J'ai dit quoi? Répète la phrase. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu vas découvrir que tu es grand. Tu vois le gars ici là, non? On va te sodomiser. Et ça sera tes amis les plus proches. Comme on vous parle, vous n'aimez pas entendre. Continue. Tu as eu combien de matières? Très en fort. 3. Matière. 3. Sur 4. Oui. Quoi? Biology, chemistry and geology. Biologie, quel grade, chimie. Quel grade? B en chimie, C en géologie et D en chimie. B en biologie, C en géologie et D en chimie. Bon, je prends. C'est pas très mal. C'est ça, non? Oui. Ça te fait quelle moyenne? Ça me fait 9 points. 9 points. Sur 20, non. Non, les francophones ne comprennent pas bien. C'est vrai qu'on ne donne pas les moyennes, c'est... Bon. S'il faut évaluer ça, sur 20, comme les francophones, ça fait combien? Bon. 12, 13? 11. Ah. Ok, passe. Passe. Seulement. Rien à signaler pour l'instant. Ok. Tu vois la catégorie là, non? Ce sont celles qui faisaient la chrétienté. Les 4 ici là. La chrétienté des apparences et qui miroitaient le monde dans leur tête. À partir d'ici. Les 4 là. On s'arrête à celles qui en... En rose. Oui. Donc, elles faisaient le monde dans leur tête, sous réserve du bac. Tu comprends, non? Oui. Comme c'est donc déjà là sur la table, j'ai donné le... Faisons avec. Comme c'est déjà là, donc, on va dévoiler ce qui est à l'intérieur. Celle-là, c'est la super cacheuse par elle-même. Celle-ci là. Ça, c'est l'ignorance, le petit garçon, c'est là. Et les mauvaises compagnies qui sont devant lui. Celui-ci, c'est la désobéissance et les mauvaises compagnies qui vont te conduire à la sodomie. Parce que tu connais qui sont tes amis.
Mais est-ce que tu dois avoir des amis comme, païens? On leur a bien dit ça, hein? Que okay. Le monde... Le monde, c'est ça qu'on est en train de voir ici aujourd'hui, non? Hein? Vous avez vu... Okay. Eux dont le monde n'était pas digne. Tu es homme de foi, femme de foi. Tu es de quelle race? Race des croyants ou race des incrédules? Si tu es de la race des croyants, tu n'as rien à faire avec le monde. Vous voulez que je parle comment? Hey! Oh! C'est qui là? Ton fils Josias là, il est là. Il est dans la salle. Josias là vient ici. Tu sais que nos yeux sont croisés en semaine, non? Hein? Tu te rappelles? Tu étais où? Je regardais. Tout à mon camarade, on regardait les résultats. Au garçon, si. Tu veux changer? Tu as su que j'étais vu. Nos yeux sont croisés, non? Hein? Oui, oui. Ça t'a fait comment? Ça m'a rien fait. Toi, tu veux sauver ton âme? Les compagnies là, les compagnies là, ça vous donne quoi? Hein? Ça dit, en tant que chrétien, vous devez avoir, si vous travaillez pour destination, votre lieu de service, maison, église. Si vous êtes à l'école, vous devez avoir pour destination votre école, votre maison, votre église. Vous comprenez ça? Les autres distractions là, vous devez mettre ça de côté. Vous savez que pour un vrai père qui se convertit là, les enfants le voient désormais à la maison, après le travail. C'est ça, non? On sait que s'il n'est pas à la maison, c'est qu'il est au travail. Et s'il n'est pas au travail, il est à l'église. On le cherche au travail, on le cherche à l'église, on ne le trouve pas là-bas, on doit le trouver à la maison. C'est comme ça un vrai chrétien. Les histoires de balades à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, hein, visite à gauche, visite à droite, hein, collègue, camarade, machin, fête ici, fête à gauche, le chrétien ne doit pas vivre. C'est le monde qui est dans ce genre d'élan-là. Le chrétien normal ne connaît pas ce genre de vie-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous vous convertissez en vrai, ce sont ces gens-là qui ils vous voient plus. Et ils vont demander que vous êtes où. Ils vont commencer à vous appeler. Si vous étiez souvent, après le travail, vous partez dans les snacks, les boîtes, les bars et tout ça là, ils ne vont plus vous voir dans ces lieux-là. Ils vont commencer à vous appeler. Et c'est l'occasion de leur dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Et si tu l'as fait en vrai, dès que tu dis ça, ça touche le cœur de celui-là. Celui qui est simple, bien sûr. Mais si tu dis que tu es croyant, tu as donné ta vie à Jésus et tu continues pour dire que, ah, de toutes les façons, comment est-ce que je peux les sauver si je les quitte maintenant, je les abandonne, hein, il faut quand même que je sois avec eux. Tu ne vas pas les sauver. C'est eux qui vont te ramener en arrière. Ça veut dire même que tu n'es même pas d'abord déconnecté d'eux.
Vous avez de comprendre ça? Le garçon, si. Reste chez toi. Hein? Reste chez toi. Toi-même, tous les problèmes que tu as à la gendarme maintenant, là, c'est chez tes amis non, que ça a eu lieu. C'est toi, un ami là. C'est là-bas que ça a eu lieu, non? Oui. Chez tes camarades. Pourquoi tu ne peux pas comprendre une seule fois? Hein? Pourquoi tu ne comprends pas que tu dois rester chez toi? Voici les vacances. Si tu n'es pas à la maison, tu dois être à l'église. Il y a même des activités ici à l'église pour les vacanciers. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Okay. Donc, il n'a pas eu le haut level. Il pouvait avoir. Demande-lui. Tu n'as pas eu le haut level. Tu vois? Va t'asseoir. Si tu peux avoir les oreilles pour entendre et le cœur comprendre. Voilà. Mes félicitations à mes enfants. Ok. Elles me comprennent. Vous dormez debout. Ou tu pries. Hein? Okay. C'est pourquoi on t'avertit. Pour que cela ne t'arrive pas. Hein? Mais c'est les choses que toi-même tu avais déjà planifiées. Hein? J'avais planifié ça, mais il y a cela 4 à 5 mois aujourd'hui. J'ai même parlé de ça à ma mère. Mais comment est-ce que les conséquences ont encore vu ça? L'alignement même des habits, des couleurs noires, roses et tout ça. Je me rends compte que c'était le feu de paille. Je prie le Seigneur que. Ça m'inquiète réellement. Ah. Donc, tu avais ta garde-robe là dans ta tête. Oui, en septembre jusqu'à janvier. Uh-huh. Vrai, c'est la vérité, c'est que les ont dit. Aïe. Mais après, je me suis rendu compte que. Pourtant, quand tu as cru en vrai, non? Oui. Mais le bac changeait quoi dans ton cursus là? Okay. Tous ceux qui ont le bac, tu vois, ils vont rester tranquilles. Le bac change quoi? Pour te donner la grosse tête. Jusqu'à aller. Elle a sa grosse pandérie hein, dans sa tête. Ouais. Ta tête est large, comment ça? Comme quoi? Hein? Elle avait la coiffure de la rentrée, la coiffure de la semaine après, la coiffure du jean, la coiffure de la robe. C'était aligné là-bas. Attendez, quand vous allez arriver à l'amphi, vous allez voir le nombre d'étudiants qui ont le bac. Vous allez. Vos rêves là-bas d'abord, c'est cassé. Votre petit bac là-bas, un peu d'abord, entrer dans la poche. Vous allez dire que donc tout le monde sert le bac. Sans compter les redoublants. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Hein? Venez, revenez, revenez, revenez là. Revenez. Que la grâce de Dieu vous accompagne vraiment. Toutes les planifications viennent là. Hein. Le bac, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne doit pas vous déstabiliser. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21 +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa.
croix